RTL Matin, 6 minutes pour trancher. Bonjour Jean-Marc Jancovici. Bonjour. Vous êtes associé fondateur de Carbon 4, cabinet de conseil spécialisé sur la transition énergétique et l'adaptation au changement climatique. Bonjour Philippe Verdier. Bonjour. Je rappelle bien entendu la météo sur France 2. Actuellement dirigeant de Force 8 Conseil, c'est une société de conseil dans l'environnement. Merci à tous les deux d'être avec nous en direct sur RTL. Des ouragans qui se succèdent, dont l'un qui a atteint une puissance historique. Hier soir, le président Macron, dans son discours en Grèce, a nommé un responsable, le réchauffement climatique. On écoute le président. Cette émotion n'est sincère et conséquente que si ceux qui les éprouvent veulent bien avoir l'esprit de conséquence et vouloir s'attacher aux causes profondes qui créent ce type d'événement. Et c'est pourquoi la France restera déterminée à lutter contre le réchauffement climatique et à tout faire pour prévenir ce type de désastre. L'esprit de conséquence. Jean-Marc Jancovici, vous êtes d'accord avec le chef de l'État ? Irma est la conséquence d'un dérèglement climatique. Si les conducteurs se mettent à boire, il y aura statistiquement plus d'accidents. Maintenant, dire qu'un conducteur qui a bu, c'est parce qu'il a bu qu'il y a eu un accident et que s'il n'avait pas bu, il ne l'aurait pas eu, c'est toujours impossible à dire. Ben là, on est exactement dans le même genre de situation, c'est-à-dire que savoir s'il y aurait eu un ouragan, s'il n'y avait pas eu de réchauffement climatique, personne n'en sait rien. Par contre, ce qui est absolument certain, c'est que le réchauffement climatique favorise l'augmentation de l'intensité des ouragans. Ça, c'est un fait qui est documenté depuis maintenant 10 ou 15 ans, en particulier parce qu'il y a 40 ans de recul sur l'Atlantique Nord, où on voit l'intensité des ouragans augmenté progressivement sur les 40 dernières années. Philippe Verdier, comment réagissez-vous au propos du président de la République ? C'est une parole avant tout diplomatique, politique, scientifique. Il a été un petit peu rapide par rapport à la science. La science qui dit qu'elle a besoin de temps pour démontrer le lien de cause à effet entre Irma, ce cyclone-là, et le rôle du réchauffement climatique dans cette histoire. Vous me dites quoi là ? Il fait de la politique et... Non, je pense que comme l'ouragan se dirige en plus vers les États-Unis, la parole a quand même un destinataire en particulier, c'est Donald Trump. Bon, la vraie question qu'on se pose tous, c'est le réchauffement climatique aujourd'hui, est-il à l'origine ou donne-t-il une ampleur, puisque c'est finalement ce que nous suggérait Jean-Marc Jancovici, particulière à ces événements qui nous impressionnent énormément. Quelle est votre réponse à vous, Philippe Verdier ? Les scientifiques que j'ai interrogés, ou ceux qu'on peut lire à travers la presse même internationale, américains, australiens et même français, ne peuvent pas démontrer aujourd'hui le lien de cause à effet entre Irma et le réchauffement climatique. Il y a des indices. L'océan plus chaud, bien sûr, qui favorise cet ouragan extrême, qui est vraiment hors norme. Maintenant, des ouragans de catégorie 5, il y en a eu un paquet, notamment en 2005. Et ce qui est aussi étonnant, c'est que pendant 10 ans, il n'y en a pas eu, quasiment pas eu. Et alors, vous en concluez quoi ? Qu'on ne peut pas établir le lien de causalité, c'est ça ? On a quand même 40 ans de recul. 40 ans de recul, c'est très très peu à l'échelle du climat. Donc ça veut dire qu'il faut encore beaucoup de temps pour déterminer de manière très fiable le lien de cause à effet, même s'il y a des indices. Jean-Marc Jancovici. Ce qui est sûr, c'est que le réchauffement climatique favorise l'apparition d'ouragans de plus en plus intenses. Ça favorise. Alors, il y a deux raisons à ça. C'est que ça augmente la température de la couche d'eau de surface dans l'océan, ce qui est un des moteurs des ouragans. Et ça augmente par ailleurs la différence de température entre la température près du sol et la température de la stratosphère. À plus de 10 km d'altitude, la différence de température augmente. Et ça joue aussi le rôle de pompe aspirante quand il y a des phénomènes extrêmes qui se créent. Donc il y a deux moteurs. En quelque sorte, les deux carburants qui nourrissent tout ça. Exactement. En d'autres termes, vous êtes en train de mettre un peu plus de carburant et un peu plus de comburant dans le moteur, et vous vous posez la question si de temps en temps le moteur va pousser plus fort. La réponse est oui. Maintenant, est-ce que cette fois-ci, très précisément, je le redis, si on avait écrit l'histoire sans réchauffement climatique, on n'aurait pas eu d'ouragan ? C'est une question à laquelle personne ne peut répondre. Il faudrait que la Terre ait plusieurs histoires, ce qui n'arrivera jamais. Qu'est-ce qui vous frappe dans tous les discours qui sont tenus, et notamment sur le plan politique, concernant le réchauffement climatique et ses conséquences, Philippe Verdier ? C'est la temporalité. Le temps politique est très très court à l'échelle d'un mandat. Le temps dont ont besoin les climatologues est beaucoup plus long. Et c'est vrai que c'est très agaçant, parce qu'on aimerait savoir si, oui ou non, Irma est due au réchauffement climatique. Maintenant, c'est vrai que les climatologues, et notamment ceux du GIEC, établissent un rapport tous les 7 ans. Ça veut dire qu'un président comme Donald Trump n'aura pas de rapport du GIEC sur son bureau pendant tout son mandat. En revanche, nous sommes d'accord, Jean-Marc Jancovici, nous ne sommes pas victimes d'une impression quand on observe, je dirais, la fréquence et l'amplitude des phénomènes dont nous parlons. Alors la fréquence, pour le moment, il n'y a pas de tendance. C'est-à-dire qu'on n'a pas constaté d'augmentation statistiquement significative de la fréquence sur les ouragans, sur des séries longues. Par contre, il y a un résultat très très clair sur les ouragans de catégorie 4 et 5, dont la part relative a doublé en l'espace de 40 ans. C'est-à-dire qu'ils sont deux fois, dans l'ensemble des ouragans, oui. Il y en a deux fois plus aujourd'hui qui sont de catégorie 4 et 5 par rapport à ce qui se passait il y a 40 ans, sur l'Atlantique Nord. Est-ce qu'il y a une possibilité de retour en arrière ? Aucune. La durée de vie du CO2 dans l'atmosphère, du surplus de CO2 qu'on a déjà mis dans l'atmosphère, c'est des milliers d'années.
Donc, il n'y a aucune réversibilité en ce qui concerne le changement climatique. Et par ailleurs, changement climatique, il y a le mot changement. Donc, ça veut dire qu'on va voir des choses qui n'existaient pas avant. Donc, c'est normal qu'on voit apparaître, sans être toujours capable de l'anticiper très à l'avance, des choses, encore une fois, qui n'existaient pas avant. Excusez-moi, j'insiste, parce que ce n'est pas très motivant. Vous nous dites que quoi que nous fassions, quels que soient nos efforts, nous n'aurons pas de retour en arrière. Quoi que vous fassiez, quels que soient vos efforts, vous n'aurez plus jamais 20 ans. Je ne sais pas si ça vous empêche d'être heureux, mais en tout cas, c'est une réalité. Voilà. L'image est drôle. Et là, c'est exactement pareil. Et pour revenir sur le politique, moi, ce qui me frappe aussi, c'est sa temporalité. C'est-à-dire qu'on s'occupe du problème quand il y a un ouragan. Puis dès que l'ouragan est parti, le problème a disparu. Demain, on va se désoler du fait que les ventes de voitures fléchissent un peu. Après-demain, se désoler du fait que la production d'acier fléchisse un peu, etc. Mais à chaque fois qu'on augmente ça, on augmente le CO2. Donc à un moment, il faut qu'on se mette d'accord avec nous-mêmes. Philippe Verdier. Là où je ne suis pas forcément d'accord avec Jean-Marc, c'est sur la fréquence de ces cyclones. Ils sont quand même, en nombre, ils sont quand même dans le bassin atlantique, beaucoup moins nombreux sur 10 ans. Ces dernières années. Dans 2005, c'était une année exceptionnelle, il y avait eu une trentaine de phénomènes. Depuis 2005, on a assisté à une baisse du nombre de ces cyclones dans la zone Caraïbes et États-Unis. Ça ne veut pas dire que demain, il n'y en aura pas beaucoup plus, mais on manque de visibilité, on navigue à vue. Vous convenez que c'est quand même un temps court, une dizaine d'années? Ah mais bien sûr, c'est un temps court, d'autant plus que le recul est de 40 ans seulement. Donc ça veut dire qu'on a peu d'informations historiques et qu'on navigue à vue. Impossible de prévoir si l'année prochaine sera une année où il y aura beaucoup de cyclones ou pas. Qu'est-ce qu'on a à tirer de ce qui vient de se passer? Qu'est-ce qu'il faut qu'on comprenne de la situation que nous connaissons, qui émeut tout le monde, qui inquiète parfois, et où on voit par ailleurs des gens qui sont dans une grande difficulté, une grande souffrance, des Français à l'autre bout du monde? Je le redis, quelque part, il faut qu'on se mette d'accord avec nous-mêmes. C'est-à-dire qu'à 7,5 milliards dans une petite boîte qui s'appelle la planète Terre et dont la taille n'augmente pas, il faut qu'on arrive à trancher. Aujourd'hui, on est en pleine incohérence, je le redis. C'est-à-dire que lundi, on dit, tiens, on veut augmenter la taille de l'économie, c'est-à-dire augmenter les flux physiques et en particulier augmenter les émissions et les rejets de toute nature. Et puis mardi, on se dit, ah, c'est quand même ennuyeux, il y a des conséquences dans cette affaire et on préférait ne pas les voir. Je le redis, il faut qu'on se mette d'accord avec nous-mêmes. Alors, d'accord. Ça veut dire décroissance. Ça veut dire, excusez-moi, mais est-ce qu'au bout d'un moment, ça veut dire décroissance pour respirer? Alors, j'utilise des termes simples pour quelque chose qui est évidemment beaucoup plus compliqué. Alors, après l'abandon de vos 20 ans, j'ai une deuxième bonne nouvelle pour vous. Oui. La décroissance, elle a commencé en Europe depuis 10 ans. Si vous regardez tous les flux physiques en Europe sur les 10 dernières années, la production industrielle, les mètres carrés construits, les tonnes transportées en camion, etc., ça fait 10 ans que c'est en train de baisser. Et soit dit en passant, mon pronostic, c'est que ça va continuer pour des raisons énergétiques. Parce que l'Europe, aujourd'hui, est en approvisionnement énergétique contraint à la baisse. On n'y peut pas grand-chose, c'est géologique. Et donc, ça va baisser. Un dernier mot de Philippe Verdier. Les leçons à tirer, c'est qu'est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on va reconstruire ces petites îles, Saint-Barthélemy et Saint-Martin, qui sont des vrais paradis? Est-ce qu'on va avoir un peu de résilience et de sagesse pour ne pas construire trop près du littoral, pour construire autrement, pour se parer à d'autres éventualités? Merci beaucoup, en tout cas, l'un et l'autre, de nous avoir aidés à essayer de tirer des enseignements de cette situation que nous continuons d'analyser et de commenter aujourd'hui sur l'antenne d'RTL. Merci Jean-Marc Jancovici, merci Philippe Verdier. Bonne journée à tous les deux. Yves Calvi sur RTL. Expliquer pour mieux débattre. Dans un instant.